Madame, Monsieur, bonjour, bonsoir. C'est Edition Chita, t'attends des nouvelles ça qui entre la caillou. Moi, c'est Met Info, quel que soit votre branché, nous disons bienvenue sur le canal d'information sans fausse côté. C'est toujours un plaisir pour nos amis téléspectateurs, amis internautes, pour nous présenter aux éditions Nouvelle Paola. Des machines boulées, journée Madia, dans la zone Avenue Christophe. Dans le moment, dans l'occasion, eh bien, plusieurs organisations de base étaient en main, yon, sitin devant le ministère de la Justice et Sécurité publique, eh pour demander 4,2 milliards de dollars Petro-Caribéa. Juge Ramoncite Aksimé voulait eh fait dilapidater au cadeau à travers une ordonnance qui a été fait sortir. Ça a gagné quelques jours de sa avocat qui a défendu eh bien, dossier Petro-Caribéa. Donc, il fait connaître tant que M. Jovenel Moïse était coqué, enraciné sous pouvoir dans le palais national, il n'a jamais gagné aucun procès Petro-Caribé ni l'autre procès encore. Sept présumés bandits mourir dans l'échange de coups d'âme avec la police pendant le week-end dans la région, dans le département Nord-Pays. Donc, dans l'échange de coups d'âme, donc parmi eux, gagné deux qui sont membres du cartel 400 Maozois qui sont cachés dans la zone Saint-Raphaël. Donc, d'après déclaration inspecteur divisionnaire Harold Jean, qui est nouveau porte-parole la police nationale d'Haïti dans le département Nord. OEA, Organisation État américain, produit rapport, demandé gouvernement en place pour mettre campé un nouveau gouvernement avec un nouveau premier ministre avant date 15 juillet qui venir là, mettre campé tout un nouveau conseil électoral provisoire avec tout pour rétablir un climat sécurité dans le pays d'Haïti pour élection capable de tomber dans tout niveau dans le finissement année. Donc ces recommandations, organisation État américain fait avec autorité en place après rencontre qui a été gagnée dans le cadre de la crise ça a gagné quelques semaines de ça. Dans l'international, là gagné ancien président sud-africain Jacob Zuma qui condamné pour le passé 15 mois ferme dans la prison. Peut-être l'été méprisé la justice qui était relève sur un dossier corruption, li pas de jambes mettez pied. Amis téléspectateurs, amis internautes, nous toujours contents, rejoignons-nous pour nous présenter aux éditions Nouvelle ça, nous préparer pour vous. Jean nous annoncé au lit gagné 7 présumés bandits qui mourit en échange coup d'âme avec la police dans le département Nord pendant le week-end. C'est samedi, dans une opération, la police l'a mené dans la zone dans Saint-Raphaël. Donc, parmi 7 présumés bandits qui mourir, gagné deux membres cartel 400 Maozois qui étaient cachés dans la zone Saint-Raphaël, dans le département Nord-Pays, d'après déclaration nouveau porte-parole PNH là, dans Nord, inspecteur divisionnaire Harold Jean, dans le cadre de une conférence Litebay pour la presse. Donc, dans le cadre d'opération ça, la police était menée dans la nuit samedi à Saint-Raphaël. Donc, li eh bien saisi 3 armes à feu en pile cartouche donc manchette avec plusieurs téléphones portables gagne tout 7 ticailles qui boulaient dans cadre opération si là gagne l'autre information au moins ces 2 machines boulées journée madia dans Port-au-Prince dans zone avenue Christophe dans moment eh bien gagne plusieurs organisations de base qui étaient en main un sitting devant ministère de la Justice et Sécurité publique pour eux réclamer 4,2 milliards de dollars Petro-Caribéa. Eh bien, juge Ramoncite Aksimé, dans le cadre d'une ordonnance qui fait sortir semaine passée, là, sorti pour le faire dilapidater yo cadeau. Donc, plusieurs organisations de base, plaignant Petro-Caribé avec avocat qui défend le dossier Petro-Caribéa, mais ils étaient en main. C'est ainsi là, j'en ai dit devant le ministère de la Justice et de la Sécurité publique, journée Madia, pour dénoncer le juge Ramoncite Aksimé. Donc, il a dit qu'il touchait l'argent, donc, dans mes pouvoirs pour être capable de craser le dossier Petro-Caribéa. Donc, M. Marc-Antoine Maisonneuve avec M. André Michel, qui eux-mêmes, c'est avocat qui défend le dossier si là. Donc, il a dit, pas jamais gagné procès Petro-Caribé avec Jovenel Moïse, avec aucun autre procès, tant que pouvoir, ça a, ben Jovenel Moïse était planté, raciné sous pouvoir dans le palais national. Cependant, avocat, il a dit, il aurait été confiant, donc, puisque
ils ont déjà fait appel et avec ordonnance scélérat, juge Ramosit Aksime lui-même l'était fait sortir. Nous invitons à écouter l'un après l'autre, Maître Marc-Antoine Maisonneuve avec Maître André Michel. Arriver effectivement remplacer tête par d'autres délinquants PHTK, le procès est donc arrivé, ne se réalisera jamais. Si Jovenel Moïse arrive à faire transfert là, par Matéli, par l'autre monde qui proche, et bien mon massacré dans le quartier défavorisé, par chambre de justice. Donc nous venons là, c'est pour montrer que nous impliquons activement, que nous baillons tout le monde, pour nous, tout l'esprit nous, dans quatre batailles là, pour que le procès Petro-Caribé a matérialisé. L'affaire Petro-Caribé, c'est une affaire juridico-politique. Elle a dit que c'est une bataille nous a mené seulement sous un angle juridique. Parce que vous comprenez bien, ce n'est pas qu'être ministre, ce n'est pas qu'être directeur, ce n'est pas qu'être haut dignitaire qui était impliqué dans le mandat de la région Petro-Caribé. Et vous avez une possibilité pour vous nommer juge, vous avez une possibilité pour nommer l'autre ministre, l'autre directeur qui peut protéger dans sa haute effet. Et qui comprend bien, nous disons ça que matérialisation procès Petro-Caribé dépend considérablement de la direction que la bataille politique a prend dans ce cas là. Nous disons pas là que si la population qui était Jovenel Moïse remplace tête par un autre délinquant PHTK, et bien il a toujours fini pour contrecarrer le procès Petro-Caribé. Il a toujours fini. Il faut faire ça et commencer à faire là pour que le procès Petro-Caribé ne se réalise pas. Pas oublier, l'appel a deux effets. Un effet suspensif et un effet dévolutif. L'effet suspensif, depuis de une décision rend, depuis de une ordonnance rend, et que une partie interjetée appelle contre ordonnance, et bien ordonnance pas qu'à exécuter jusqu'à ce que la cour d'appel arrive à rendre son arrêt. Nous ne le disons pas là, que pas une pièce. Institutions financières et bancaires qui ont gagné l'argent, entreprise à Oklahoma, qui a dégelé, qui a remettre l'argent parce que nous faisons appel. Donc nous sommes obligés d'attendre l'arrêt de la cour d'appel dans quatre dossiers. Nous avons continué la bataille, nous faisons déclaration d'appel là déjà. D'ailleurs, je connais là, nous avons déjà désaisi le magistrat Ramos Taximé dans quatre dossiers. Mais en dépit de tout, oui, monsieur, nous, c'est lui qui pourra poursuivre avec instruction dossier. Donc, pas occupé, monsieur, ce sont les qui obsédés, ce sont les qui dépassés par événement, ce sont les qui jouent de l'argent pour le faire sortir l'affaire là. Parce que, pas oublier, c'est un juge de l'équipe PHTK, son juge même, qui est nommé pour le faire, ou bien pour le faire, sortir l'affaire, je vous dis, dans quatre dossiers Petro-Caribé. Donc, nous encourageons tout le monde. Continuer dans cette bataille-là jusqu'à ce que la lumière soit faite de la dilapidation du fonds Petro-Caribé. Je dis à l'éclair, ordonnance du juge Ramosit Aksime a montré nous que tout autant Jovenel Moïse avec PHTK sous pouvoir, procès Petro-Caribé pas jamais fait, j'en ai toujours dit. Ramosit Aksime, c'est un juge d'instruction qui a travaillé pour moi, qui prend en ordonnance. Côté a essayé de tracer le procès et blanchir tout le monde qui participait dans le volet de l'agent Petro-Caribé. Mais heureusement pour les Haïtiens, nous sommes dans le procès. Et comme nous sommes dans le procès, nous avons un droit d'action. Et c'est ça qui fait. Désormais, nous sommes capables de dire pour le peuple à connaître. Le dossier Petro-Caribé est pendant par devant la cour d'appel de Port-au-Prince. Nous avons fait appel contre l'ordonnance du juge Aksime. L'appel est suspensif. Ça veut dire ça. Compte mon bloqué dans la banque, compte ça a été bloqué jusqu'à la décision de la cour d'appel. L'appel est suspensif. Ça veut dire que mon qui est inculpé, il a toujours été inculpé dans quatre dossiers Petro-Caribé. Je parle de M. Dame PHTK avec tout le monde qui vont les comptes. Mais l'appel est évolutif. Cela veut dire que c'est le dossier dans toute sa forme et teneur qui sera rejugé par devant la cour d'appel de Port-au-Prince. Et le dossier à rejuger devant la cour d'appel de Port-au-Prince,
Le ça, ce n'est pas Jovenel Moïse qui a sous pouvoir. Tout autant PHTK sous pouvoir, le procès Petro Caribe va faire. Même Jean, tout autant PHTK sous pouvoir, Patonier Dorval va faire. Le procès massacre la Saline, belle et du soleil, pas fait. Et ça fait nous dire, peuple là, le dossier Petro Caribe a ses dossiers, c'est pour le peuple là mobiliser pour le procès à capable de faire. Et c'est ça qui fait nous là, dans cette ligne, comme citoyens, parce que nous connaissons la mobilisation du peuple. La plus importante que toute notre bagaille, c'est la mobilisation du peuple qui a fait procès à fait. Nous félicitons Petro Challenger, messieurs, dames, nous conscients qui lance cette ligne. Et quand il y a des gens qui ont participé dans cette ligne, montrez-nous, procès Petro Caribea, la fête quand même, il n'y a pas personne qui est capable de tracer le dossier Petro Caribe. C'est une bataille citoyenne. Font l'argent, 4,2 milliards de dollars américains. Il est capable de faire l'école, l'hôpital, construire une route. Il est capable de changer les conditions de la vie du peuple là. Sous Bopayo, il y a même organisation de base yo même, eh ben yo pas mettre de l'eau dans bouche pour te critiquer pour voir en place là yo dit mais que cap favoriser gang engraisser gang pendant peuple là lui-même la manger mangue la misère et tout partout dans camp déplacé dans camp réfugié dans propre pays yo dans région métropolitaine Port-au-Prince là. Toujours à cause gang améo qui force yo quitter kayo pour y aller dormir en boîte en coup zanimaux. Même organisation de base yo mandé pouvoir en place là pour ta servir pito avec 40 millions de dollars américains la gaspiller dans affaire référendum avec élection li connait li pap ka fè nan pays d'Haïti. Donc yo façon pour ta capable bay population en service et santé donc en bas COVID-19 qui a porté population aller. Donc nous invitons à écouter déclaration plaisir dans membre organisation de base qui était en main piquet ça devant ministère de la justice journée mardi. Mathias, quand est 40 millions de dollars, yo ba ou qui a pour 40 millions de dollars ça pour tirer peuple Matisson dans la rue pour tirer peuple Delma 4000 dans la rue pour 40 millions de dollars Mathias pour prendre nous gaspiller pour dire pour faire référendum quand le référendum 27 juin t'a fait li pas fait côté li nous besoin ni cop Petro Caribe ni cop référendum ni cop coronavirus là jour de la toute Mathias à toute l'autre qui me volait pareil. Allez retirer Matisson dans la ria. Allez retirer comme Pep Delma dans la ria. Il va pas rentrer la caille jusqu'à présent. Maman petit, papa petit, ma recette. Allez retirer dans la ria, Jovenel. Nous-mêmes, ouais, non, ça nous besoin d'un pour demander pour faire un référendum de 7G ou pas qu'à faire. Pour qu'ils soient pas lâchés pour tout pouvoir. Je vous connais un peu, non, pour vous, vous connais.
Les journalistes ont manifesté au balgaz. Les peuples ont manifesté au balgaz. Pour qui ça? Yo wè grosse vidéo ça yo kap se kine nan peyi a côté gang Genève qui fédéré yo poko la gen mandat de doli si gang Genève yo c'est pas trop fait nan vaisseau yo t'ap travail ok nan vaisseau t'ap gantan la gen mandat de doli. Tout bandit ça y est dans le pays. Et maintenant, on a demandé aux peuples haïtiens pour lever campé. C'est le peuple qui peut sauver le peuple. Parce que nous te bataille contre la dictature dans le pays. Nous te bataille contre la macoute dans le pays. Nous te bataille contre la frappe dans le pays. Et maintenant, on a tout le monde qui met la tête ensemble. Ils viennent fermer Genève. Avant mi nan peyi a, je di a pa gen nèg ki innocent. Depuis que ou se zanmi Jovenel Moïse, ou se volè, ou se gang, ou son diktati, Kloros, et je di a, nèg sa yo, se de théoricien yo. Tout nèg ki zanmi Jovenel, tout moun ki konnen, d'après 7 février 2021, article 34-2, mandat Jovenel Moïse fini. Tout moun, lò ap gade, Oreya, Wakou, Oreya. Josia, où est comment on demande de réunir réunion côté, où est tout collaborer ça va. Mais nous même qui dans ghetto, il y a pas de sécurité. Regardez monde qui là pour regarder, regardez mes sicko, regardez mes sicko là, ou passe où est Simo, où est Idmo, où est Boy. Ou tellement on collaborer ça va ou pas même carré. Pour ça va descendre en bas, il va faire la sécurité. Pour qui ça va monter en Belé, il n'y a pas la sécurité. Pour qui ça va aller Madé, il n'y a pas la sécurité. Quand est-ce que la police est tout pour la police là? Next, ça va pas si vous sécurisez le peuple là. Nous faisons ce meeting là, c'est pour nous réaffirmer force nous, courage nous, détermination nous, nous même en défense seulement, nous même qui c'est des militants avant-gardistes, je vous le dis, pour nous dire, peuple haïtien, nous avons intimidé nous, mais nous ne pouvons pas faire pas. Nous avons besoin de paix devant Zengle Gou, devant Zam, qui est de paix, Tchèque, qui crase le pays, le fumé à pays, je ne veux dire, même le monde des cailloux, pour pas en sécurité. Nous disons ça, quand on est comme Jovenel Moïse, ancien président équipé, que mandat fini, acte comme bon juge, mandat fini tout, qui fait battre pinot, sous population, avec un chef de la police, de facto, qui est le Léon-Chan, qui m'a quand même des capacités pour les demander si c'est ce qu'elle a demain. Je ne veux dire, c'est mettre nous mettre pieds noirs pour nous dire pas ici. Mais du point, mettez pieds noirs parce que l'idée, il fait nous en pile, il faut nous faire jouer. Mais, il faut nous faire en pile prudence, pour nous faire jouer, pour que nous-mêmes, nous ne soyons pas victimes avant nous de faire passer. Nous, les chrétiens, c'est Jovenel Moïse qui fait papier sous pays, qui crase le pays, qui voulait tuer tout le monde avant l'année. Oh, mon Delphine, je vous le dis, pas dans quelle condition à Jovenel Moïse. C'est rachetement un clip, bataille. Nous-mêmes, les Petro Challengers, surtout Challengers populaires, nous venons camper devant le ministère de l'Injustice. Je dis à nous dire attention, Ramon Sitaximé, bon son papa de nous. Ramon Sitaximé, bon son tivoloré. Ramon Sitaximé, bon non pas sérieux. Mais je dis à nous camper pour nous dire, comme Petro Caribéa, pas passer dans tes têtes, comme Demalogue là. Pas passer dans le côté. Je dis à nous, je dis à faire un an depuis que nous avons bousculé devant là. Je dis à faire un an depuis que nous avons arrêté, nous avons battu, nous avons fait tout le mauvais acte avec nous là. Je dis à nous, Rockefeller, je dis à nous, nous avons sorti pour faire ça que l'injustice dans le pays. Mais nous-mêmes, nous disons encore, nous avons dit ça, de justice, nous avons dit ça, nous avons dit justice, nous avons dit ça, nous justice, nous avons dit ça, nous justice, nous avons tout le pays à côté de faire des actions, nous avons dit justice. Je dis à nous, nous avons pris 40 millions de dollars pour investir dans le pays. Non, des je dis à pas gagner de bête, nous disons nous allons voter plein pour nous parce que faut du jugement. Je dis à nous prendre 60 millions de dollars
yo pou va coronavirus, yo pa fè rien pendant que ou pa même gen 200 cabanes. Nous gen 124 cabanes dans le pays qui pa même bien conditionné. Ah ben jodi a di, Ramon Staxme, ou est-ce sorti a? Ordonne sorti a pas bon parce que pa comme comme juge. Lundi pa comme juge. Ramon Staxme a. C'est dans tout sens parce que monsieur ça c'est mec qui a protégé voler, qui a protégé kidnapper, qui a protégé assassin dans le pays. Et il dit blé pas blé. Nous même la jeunesse, nous pas faire bac. Nous même étudiants, nous pas faire bac, nous pas faire bac. Et vous pas blé que ce Petro Grosset Petro Calvia pas capable de faire dans toute forme. Nous t'a parlé à ce matin sur le premier dans notre challenge. La presse, nous même on dans le jeu parle là de Léogane, Tigouave, Kangouave, Niagouave. C'est que je dis que nous prenons l'arrière, nous mettons pieds nous à terre, nous disons à mon si que nous allons égarer dans l'école. Les appels de complète au Caribéa, ils nous éclinent au sérieux de ces cœurs qui l'État dépose ses le sous bien. Et nous disons avec le comité national là, nous partons pour l'élection. Pour l'élection à Jovenel et problème de sécurité. Et nous disons avec une opposition. Malais à eux-mêmes d'affaires cohabitation avec Jovenel dans tout le cadre. Et la combattre. Et dernier bagage, il a dit, Léon Charles, songez, les peuples qu'on a dans la rue, et gaz où on a parlé, pour kidnapper, et balle, où on a pas la presse. Je dis, on va garder les peuples là, lève le câble. Qui côté m'a levé le câble? Et pays a privé nos moments, côté que on a dit que faut qu'on peut écraser. On a dit problème et sécurité. On parlait de problème pour habitation. Qui va résoudre avec Joseph. Et ma petite ça avec la communauté internationale. Pour policiers, faites devant Simon qui perdit la vie. Je vous dis en termes de café. Et ma petite ça avec les haïtiens. Barbecue. Bandi, qui mon cap fait des choukailles, pas qu'à révolutionner. Et Jovenel, son Jovenel dit la presse, c'est ce grido. La presse, c'est terroriste. Jodia, la carrière de la presse. L'autre information gagnée organisation État américain yo donc après rencontre te fin gagné ça gagne quelques semaines de ça avec plusieurs partis politiques et secteurs dans le pays d'Haïti qui te rencontré sous crise politique là pour essayer si capable joindre un dénouement et bien li recommandé organisation État américain yo recommandé dans cadre rapport li produit pour et bien gouvernement place là nommer un nouveau premier ministre avec un nouveau cabinet ministériel qui capable et ramener confiance avec population haïtienne pour rétablir climat un climat sécurité dans tout le pays d'Haïti donc pour capable nommer tout un nouveau conseil électoral provisoire donc ça qui capable mais permettre élection générale dans le pays d'Haïti tant pour élection locale législative avec présidentielle capable faire dans finissement année si là. Donc, alors que Conseil électoral provisoire lui-même, parallèlement, dans le même moment, rapport, eh bien, recommandation OEA sorti journée lundi, mais Conseil électoral provisoire qui pas gagné aval aucun secteur dans la vie nationale là, excepté gouvernement en place là, eh bien, li publié journée lundi a un nouveau calendrier électoral de CABES, ou qu'a dit 4 CABES tout. Donc, côté li dit élection yo, élection générale yo avec question référendum nan la tamen en date 26 septembre. Donc c'est 26 septembre qui vini là, élection générale avec tout premier tour élection présidentielle yo avec référendum constitutionnel Jovenel Moïse là. Donc c'est dans date 26 septembre qui vini y a tamen d'après nouveau calendrier ça Conseil électoral provisoire Jovenel Moïse là mette deyo. Il faut qu'on ait parti politique qui a gagné jusqu'à 6 juillet qui a venu là pour être capable de venir inscrire disons candidat dans niveau conseil électoral provisoire qui la campagne électorale là ta doué lui-même tant mais dans date 26 d'août qui a venu là dans tout pays là et puis deuxième tour élection présidentielle lui-même avec élection législative ta doué fait dans le pays d'Haïti dans date 26, disons 21 novembre, Cap Vinila. L'autre information, amis téléspectateurs, amis internautes, nous avons fait un coup de pied dans le pays étranger, Cap Penenou, dans le pays Afrique du Sud, côté eh bien, la justice
dans le pays Afrique du Sud, condamné ancien président Afrique du Sud là, Jacob Zuma, pour le passé, c'est disons 15 mois prison ferme, mais peut-être il était méprisé la justice puisque il était relé sur un dossier et dossier corruption, et ben il était méprisé la justice, il pas jamais mettre pied. Donc il pas jamais à répondre question la justice pour dire qui ça connaît dans question corruption si là, donc qui planait sous dol. Donc c'est pas pour corruption yo condamné puisque pour gagner fait qui avéré de ça, sauf que la justice terrelé li pas jamais répondre. Et ben c'est pour ça la justice dans pays Afrique du Sud condamné ancien président Afrique du Sud là, disons sud-africain Jacob Zuma pour le passé 15 mois ferme derrière barreau dans 4 mirailles. Amis téléspectateurs, amis internautes, c'est là nous camper accession information ça. Nous remercions pour écoute et attention. C'était amis au frère Mette Info qui t'a servi. Nous casser rendez-vous demain même l'heure même chaîne. Si papa bon Dieu content. À bientôt.